Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur le gravel et justement sur ce qu'on pourrait appeler le gravel extrême, petit côté monster gravel forcément pour faire référence au format de roue un petit peu mouse. Passe, mais est-ce que ça passe à la montée? Alors on y croit, hein. On va prier sainte adhérence, mais toi t'as un braquet plus court, mais ah, c'est pas mal. Ah, mais bon, mais je prie sainte adhérence là, hein, et pas rien qu'un peu, hein. Allez, tout est dans la tête, le choix de la ligne, la petite danseuse plaquée, donc les coudes cassés, bien posés sur le bec de sel. Inutile de vous dire que je suis tout à gauche sur mon groupe GRX en 22 vitesses, on n'a pas le choix. Bon, on aura l'occasion de vous faire un sujet un peu plus complet sur cet épisode petite exploration en Ardèche, à voir sur notre chaîne YouTube. En autant, je pense que pour tout ce qui est sport nautique, mise à l'eau, tout est prévu pour le gravel. Sont pas encore prêts, et ça nous a pas empêché d'aller poser nos crampons et d'explorer forcément. Et là, ouïouïouï, allez, ne rien lâcher. Une cartouche par marche, et ben il vaut mieux avoir un gros chargeur. Bon, rassurez-vous, la petite découverte qu'on vous propose dans cet épisode sera beaucoup plus soft que ce passage réalisé au cul du bivouac. Yeah, ça c'est fait. Bienvenue en Ardèche. Bon, l'essentiel c'est pas la vitesse, hein. C'est de passer, d'être fluide et surtout de rien casser, autant au niveau matériel qu'au niveau bonhomme. Et là ça passe crème. Oh là 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 là. Là. Bon, dans le meilleur des mondes, on aurait préféré faire un parcours de ce type-là. Hein. Là, c'est clair qu'on vend du rêve. C'est top pour le gravel. C'est le pilote qui choisit la vitesse. Imaginons la même chose avec un vrai balisage.
ce serait vraiment top. Bon, le balisage, on n'aura pas trouvé. Et puis, eh bien, les petites choses comme ça, finalement, on en aura fait trop peu à notre goût. Mais c'est vrai que l'image qu'on peut avoir de l'Ardèche avec la petite vallée creusée, le petit cours d'eau sympathique, eh bien, malheureusement, c'est plus une carte postale dans la vraie vie qu'une réalité sur le terrain.